Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarina Knights et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de Pokémon Noir et Blanc. J'espère que vous avez bien profité du let's play. N'hésitez pas à dire quel est votre Pokémon préféré de Unis et nous pendant ce temps on va parler avec... Bianca. Oh bah, mais Bianca veut pas me parler. Hey, dis, tu voudrais pas faire un combat avec moi aujourd'hui? Allez, c'est parti. Mais attention, comme c'est dans le labo, il faut pas se laisser emporter, hein. Bianca, elle aime bien se battre en intérieur, elle devrait faire la tour combat. C'est vrai? Mais y en a pas à Unis, c'est pour ça. Ouais, mais y a un maître de combat multi quand même, non? Mais on peut pas le faire avec des alliés, je crois. Enfin, on peut le faire avec des alliés réels, mais pas des alliés faux. Genre Bianca. Bah, désolé Bianca, en disant que c'est une fausse personne. Oh, c'est pas gentil. Oh non, j'ai un Pokémon physique. Moi, j'ai un Pokémon qui n'est pas physique. Il est immatériel. Ok. Ah oui, d'accord. Oh non. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah oui, c'est dur. Ah là là. Oh oui, la méchanceté, elle est gratuite. Je sais pas ce que je comprends. Ouais. Moi aussi, je comprends que je vais switcher. Ah oui, déjà, d'accord, ok. Ah, Lugulabre est là! Ça va pas être drôle. Franchement, Bianca, elle aurait été une excellente rivale si seulement elle n'avait pas perdu espoir. Parce que franchement, pour moi, là, elle a Ganon Cochon et Lugulabre. C'est terrible. Attends, elle a deux Pokémon Feu dans ton jeu? Bah du coup, elle est bien. Elle est bien. Et t'inquiète, elle va avoir un Pokémon Vol aussi. Non, je sais pas plutôt. Oh, j'avoue, Lugulabre. On va essayer Crabe pour voir. Un petit éboulement là, il va rater. Ça va être drôle, tout le monde va rire. Une ovation pour Crabe dans la salle, s'il vous plaît. Moi, la dernière fois que j'ai battu un Lugulabre, c'est parce qu'il s'est pris un danse-fleur. Ah oui, il est plus rapide que moi, donc ok, d'accord. Hyper monté. Moi, alors, je tope. Oh, ça va. Paralysie. T'es pas mort. T'es pas mort, Crabe, bien joué. Allez. Pouvoir lunaire! Eh, hey, pas mal. Bon, alors, toi tu vas le tenir ou... Moi je l'ai tenu avec Crabe. Est-ce que tu le tiendras avec Barba du V? Non. Oh, dommage. Et mon autre Pokémon Spectre, il est gelé. c'est pas grave. J'ai même pas lu ce qu'elle m'a envoyé, bon, c'est pas grave. Comme tu dis. Je vais utiliser ma super attaque. En 3G, je la prenais à tout le monde, hein, aéropiqué. Ouais, en même temps, c'était bien. Ça ne ratait jamais. Mais déjà, c'était écrit, enfin, ça ne ratait jamais. Ça ne rate jamais, et puis même en concours, c'était fort. Ah. Faire combo vive attaque aéropiqué, voilà. Par contre, elle t'a bien taquiné, là, elle a fait... Oui, tu vois, j'ai détourné le regard un instant. Elle a fait une guérison pendant que tu regardais et pas. Et pouf, il s'est passé ça. Bon, très bien. On va faire ça tranquillement. De toute façon, ton Lugulabre, oui, voilà, il fait plus rien. Il fait retour, d'accord, oui. Mon Lugulabre, il m'aime bien, ou pas? Bah si, mais peut-être que c'est parce que c'est pas un Pokémon physique. Vas-y, je rigole un peu. Si jamais elle veut faire des retours. Bah, tu m'as battu avec ton... Ah, mais elle donne tout. Elle donne tout. Ah! C'est ce qu'elle essaye de faire depuis tout à l'heure pour me faire des surchauffes. Elle est maligne, Bianca, elle est maligne, tu vois, c'est une vraie... Elle, non, franchement, elle va dans le métro de combat, elle bat easy les conducteurs de train, y'a pas de problème. C'est vrai. Mais non. Elle l'a plus poudre claire, Ivy, hein, je tiens à dire. Ivy qui a évité la canicule, finalement. Ah, moi, c'est bon, hein, c'est resté frais. Il fait chaud, non? Bon, j'espère que ça va aller, quand même. Non. Bah je sais pas, il m'a baissé ma défense spéciale quand même. Mais pas une seule fois? Bah je sais plus. En fait c'était deux fois, c'est ça? Mais peut-être, hein. Ouais, je crois que c'était qu'une, c'est pour ça que je me suis dit... Ah, tu t'es bien battu quand même, machin. Oh non. Bon, Barba du Vèche. Et là, elle va refaire guérison. Non, ça non, va. Ça va. Non mais tu sais, ils en ont plus qu'une maintenant. C'est dur, c'est... C'est trop cher maintenant. Quand tu deviens plus fort, ça devient plus cher. Mais non, mais elle a deux Pokémon Feu, moi aussi, en fait. Donc toi? Ah bah non, elle aura pas Flamoutan. Je sais pas ce qu'elle m'envoie, parce que j'ai pas lu, j'étais absorbé. Ah bah moi, elle envoie une feuille, d'accord. Dillomancer, il y a un Pokémon. Et finalement, petite Bianca, elle se débrouille bien. Hein ouais. De toute façon, on l'a toujours dit, Bianca, elle est trop cool. Mais c'est juste qu'elle a pas confiance en elle. Allez.
Ouah, mais non, mais Viridi! Viridi, vraiment! Bah, t'as qu'à apprendre close combat. Oh non! Mais non! Oh non! Le lance-flamme, là! Une chance sur 10, le 10% de chance, le 0,1! Bon, c'est bon. C'est bien parce que comme je ne lis jamais ce qu'on m'envoie, bah en fait j'envoie des Pokémon au hasard en fait. Bon, un petit Clamiral, ça va être tranquille! Bon, oui, Ganon Cochon, je vais pas rigoler. Ben voilà, c'est Ganon Cochon. Ah oui, en plus t'as pu monter ton attaque. Moi j'avoue, j'ai envie de prendre mon temps sur Clamiral. J'espère que ça va pas être dangereux, genre laser glace. Moi je ne prends pas mon temps sur What If Flame. Ah ou Play quoi, ouais. Aïe, mince, il était pas mort en fait, il a fait. Waouh. Comme tu dis. Oh, Aranea, tu peux tanker un coup s'il te plaît? Non, bah c'est dommage hein, parce que du coup, ben lui il est mort et du coup il donne de l'XP à personne. Non, c'est trop pénible quand ça arrive ça. Ah, c'est dommage, j'ai pas eu la chance des dégâts là. Genre, j'aurais pu faire plus, un tout petit peu plus, et puis bah en fait, non. Quel dommage. Ah, mais j'avoue, en plus, toi ta team elle était tranquille. Moi en fait, si je veux prendre mon temps sur Clamiral, c'est parce que tout le monde est mort. Oui, je comprends. Du coup, j'ai envie de faire une petite séance de rappel. T'es bien, hein. Non, en fait, tout le monde n'est pas mort, mais tout le monde est mal en point. J'aimerais surtout dégeler Kirika pour qu'elle puisse se battre à nouveau. Ouais, je comprends. Après, j'ai pas compté, si ça se trouve, je suis à la fin et il y aura pas de seconde chance. Oui. Ah, mais si, il y a Mushana! T'inquiète, hein. Le Mushana, je l'affronte pas, c'était juste pour ressusciter Aranea. Non, mais t'inquiète, j'ai rien dit, fais ta vie, hein. Mais je vas-y, regarde, c'est bon, je bac l'amiral. Je suis choqué de l'attaque qu'elle vient de me faire sur un Pokémon poison, parce que, en fait, évidemment, je n'ai pas lu ce qu'elle m'a envoyé. Voilà, je pouvais pas, parce que. Elle t'a fait psycho? Elle ne m'a pas fait psycho. Non. Choc mental. Elle ne m'a pas fait choc mental. Elle a fait une attaque psy? Elle n'a pas fait d'attaque psy. Bah non, justement. En fait, justement, si t'es choqué, c'est que c'est pas une attaque psy. Bah, je vais avoir Shaofuin. Tu comprends que quand on t'envoie un Pokémon poison, tu te dis évidemment que le meilleur truc à faire, c'est évidemment bâillement. Mais il l'a refait! Mais pourquoi deux fois la filée? Bah elle veut t'endormir, hein. Oh non, le bluff! Oh non, le bœuf. Tu vois, je lui ai fait les mêmes dégâts qu'elle m'a fait. Pour un bluffé, un casque brut. Mais attends, mais t'étais sérieuse, là? Elle a fait... trois fois. Je crois que je comprends. Je crois que je comprends, oui, que... Bah, en fait... Bon, j'ai quand même envie, quand même. Attends, mais c'est marrant. Pourquoi elle te dit cette phrase maintenant? Elle avait pas envie de le dire avant. Parce que tous les autres Pokémon s'en fait que mourir, en fait. Oh! Nous faisons un duel de guérison, très bien, on est content. Ah bah Mushana c'est un peu son main finalement. C'est vrai, hein. on n'a pas oublié qu'en fait elle n'aime que Mushana dans son équipe. On dit tout le temps, voilà, Roi Tiflum, tout ça, mais... Bon bah il est mort cette fois-ci. Et ça, ça fait plaisir. Bon, faut gagner maintenant moi aussi. Un petit giga sensu, on n'en parle plus là. Mais oui. Oh bah coup critique, Barba du Vœu en avait marre lui aussi. Ah, Mushana. Donc je disais que je voulais que Kirika aille se battre un peu. Visiblement, je vais me faire bailler dessus à l'infini. Écoute, véritablement, la seule attaque que j'ai vue de ce Mushana, c'est bâillement. Même quand j'étais déjà en train de bailler. Il était très fatigué. Donc... Comment ça, l'âme feuille, c'est plus dangereux que Plécroix? Non, mais elle te dit, t'as dit que juste l'attaque qui est la plus forte en fait, de manière générale. Mais je croyais qu'elle. Du coup, elle aurait pu dire Plécroix aussi, mais je crois. Bah non, parce que l'âme feuille c'est 90, Plécroix c'est pas 90. Ah bah oui, bah attention, elle va te refaire bâillement au tour suivant, fais attention à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Bah moi j'en finis avec ton Mushana. J'ai oublié d'attaquer. Là, elle faisait guérison. Oh non, il t'a fait bluff. Bah c'est pas grave en fait. Ouah, c'est méchant quand même. Donc on aurait pu gagner direct. Merci pour ce combat, j'ai encore appris plein de choses. Bah écoute, merci à toi aussi Bianca. Vraiment, vous êtes des super dresseurs, hein. Je suis fan de vos combats. On dirait que c'est pareil pour votre équipe. Alors d'ailleurs, si vous voulez affronter Bianca, alors en fait c'est assez compliqué parce qu'il faut déjà avoir battu le conseil des fois. 4. C'est-à-dire la ligue, enfin, avec Goya. Celle qu'on vient de faire. Et ensuite, faut aller lui parler.
Et ensuite, faut attendre le samedi soir suivant pour pouvoir l'affronter. Oui, oui, oui. Voilà, c'est un projet complexe. Mais au moins, tous les samedis, elle veut se battre. Oui, mais bon, c'est dommage qu'elle ne veuille pas se battre tous les jours. Mais... Tiens, d'ailleurs, avant de partir, je voulais t'offrir un petit Pokémon. Oh, c'est gentil. Tu verras, je pense que ça te fera plaisir. Je vais te donner un Pokémon, tu m'en diras des nouvelles. Ah, Lou la scientifique. Toujours c'est Docteur Lou. C'est toujours impressionnant. Ah oui, je vois, tu as ton doctorat en Chao, c'est vrai. Mais oui. Waouh, incroyable. Regarde, c'est ton Pokémon préféré en plus, Charmille, évolué. C'est vrai. Moi, à la place, je t'envoie un Pokémon méta, il est bien. Il a une bonne nature et tout, t'inquiète. Moi, le mien, il a pas une bonne nature. Il a une bonne nature, mais pas pour lui. Ah, je comprends pas. Bon, par contre, je l'ai capturé dans une soin ball, j'espère que ça te dérange pas trop, mais non. C'est pour montrer le côté type fée, tu vois. Pour montrer le côté type fée, j'avoue, c'est une Pokéball de type fée. Moi, je l'ai capturé dans une Pokéball, j'espère que ça ne te dérange pas. Ah, bah, c'est bien d'être classique aussi. J'avoue que j'aurais pu acheter une balle, une luxe ball quand même. C'est vrai, pour l'occasion en plus. Mais j'y ai pas pensé, j'avoue que. Ah, tu m'as donné éclair. Prends bien soin de éclair. Ok, je prendrai bien soin de Minky. Elle fera des combats Pokémon dans un pique-nique. Et nous revoici à la ligue, mais cette fois c'est pas pour y aller. Comment ça, tu veux pas affronter la ligue? Je comprends pas. Je sais pas où il est notre ami, je me dis qu'il est juste là. Ah bah parfait, salut Tchéren. Eh bah non, pas salut Tchéren, au revoir Tchéren. Pourquoi Dany a disparu dans les ténèbres? Ah, tu penses qu'à chaque fois qu'on tombe sur un Pokémon, on dépop? Ah oui, t'étais juste devant lui en plus. C'est difficile, n'est-ce pas, de devoir regarder dans la glace. De voir toutes ces choses déplaisantes, toutes celles dont on a honte. C'est vrai. Le plus dur, ce qu'on ne peut pas se fuir. Mais c'est Kunz. Kunz? Mon maître m'a demandé de venir te voir. Je ne dérange pas? La défaite n'est pas si importante. L'essentiel, c'est d'avoir pu se dépasser, donc la victoire sur soi-même. Le combat permet de comprendre son adversaire, ses Pokémon, et surtout soi-même. Tu es venu pour faire le Pidgeotto pour Goya? Alors qu'il y a Poichijon dans le jeu. Ce que je veux, c'est un combat contre un dresseur qui est capable de se dépasser. Parce que c'est en affrontant ce genre de dresseur que mes Pokémon et moi, nous devenons plus forts. J'attends votre venue à la Ligue. Bon, laisse-moi vous affronter encore une fois. Ah bon, d'accord, il n'y a même pas de oui ou non, hein, genre... Non, mais tu m'as parlé, ça veut dire combat, en fait, c'est tout. Kunz, il dit... Goya, il dit des choses bien, tu vois. Notre seul véritable adversaire. Ah, c'est Léopardas. Je m'attendais à ce qu'il commence avec Déflaisant, je sais pas pourquoi. Léopardas, attention, c'est fort, ça. Il va faire bluff, tu connais. Ah ouais. Moi, eh ben, il a pas fait bluff, tu connais. Moi, il a fait bluff, donc il va se prendre casque brut. Voilà. Il a fait autant de dégâts que... Moi, c'est même peut-être pris plus de dégâts que toi, en fait. Oh, oh, je vois. Oh, c'est taquin, ça. Oh, c'est méchant. Oh, qu'il est méchant, le prochain Pokémon. Oh non, il fait aéro-piqué. Après, voilà. Léopardus, il est pas connu pour sa force brillante. T'inquiète, il va faire triche. Il fera plus mal. Bécitrus, on connaît. L'objet préféré de Tchéren. Oh là 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 là, non, le casque brut qui est en train de dégommer le Léopardas, quoi, c'est incroyable! Et voilà! Ah, qu'est-ce qu'il va t'envoyer à toi? Un roi Tiflamme! Bah oui, évidemment! Ah. Allez, c'est bon, toi tu commences direct par le lourd. Ben ouais. Mais c'est toujours comme ça avec Tchéren. Bah, moi c'est Takati hein, ce qu'il m'envoie, tu vois. Ah, ben oui, c'est vrai! Bon, ça va, il est gentil, il fait bout de feu. C'est pas grave, Barba Duvet a fait son travail. Bon, comment on bat ça maintenant? Ah, d'accord, il fait les pièges de roc. Ok. Donc je dois finir tout le combat avec juste Fourmille, donc ok, très bien. Ah bah. Bon, après ça va, un petit tête de fer et on en parle plus, non? Ouais. Oh, il va peut-être faire un heal. Ah non, il fait pas de heal! Ah, il fait pas de heal! Ah, moi je pensais qu'il faisait des heals. Oh oui, j'ai eu de la chance. Bon bah il fait pas de heal en fait. Figurez-vous.
Il veut se dépasser. Oh, j'ai eu trop de la chance pour une fois sur Roitiflamme. Eh ben écoute, mais non, mais c'est ça, tu vois, tu as pu dépasser ton rival Tchéren, et maintenant plus rien ne peut t'arrêter. Ouah, Tranchaudon. Eh ben dis donc, il a des sacrés machins quand même. Tranchaudon, ça fait un peu peur. Ouais, bah c'est une grosse attaque. Hein. Mais bon, si tu fais des enroulements, on te prendra. Il va me faire Dracoque. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors là, Ivy. Non mais elle va te tenir, regarde. Tu vois, enroulement, c'est trop fort. Oui, c'est trop fort enroulement. Semblerait. Oh là là. Ah mais il est bloqué dans la colère là en plus maintenant. Ouais. En plus il a plus son joyau dragon. Après il sera confus. Il se tapera tout seul, ça va être bien. Ouais franchement. Franchement il est taquin le petit Tchéren en fait. Mm. Mais c'est pas grave, Ivy est là. Ah, Ivy. Finalement, Ivy, meilleur tank que Barba Duvet. Hein. Bon, sauf les coups critiques. Ouais, non, mais ça. Ouais, non, mais ça, les coups critiques, là. La, 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 la. On dirait moi. Bon, t'envoies ton gros Pokémon, j'envoie le mien. La petite lame sainte. Regardez-le, il va se rappeler lui-même. Ah non. Oh non, il est très en colère. Hein. Rageux, on peut le dire. Waouh. Mais non, mais c'était un coup critique, ça se voyait. Mais ben oui, mais bien sûr, mais je me dis, purée, mais le gars, il a fait deux coups critiques d'affilée. Non, mais en fait, c'est, il a pris conseil chez Inedia, en fait, là, ça y est. Hein. Il est parti s'entraîner avec Inedia, et Inedia a fait, bon alors, Tchéren, le secret de ma victoire et de ma beauté, c'est les coups critiques en masse. Je fais que ça, et après, je gagne. Donc Tchéren a fait, d'accord, je vais faire la même chose. Oh là 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 là! Y'a un problème? Ah, la bonne tranchouille, moi aussi. Bah, non, c'est juste que bah toi. Ah bah, moi, ma team, voilà, elle s'est bien fait dégommer. Par des coups critiques. Par des coups critiques. Moi, c'est le jeu, hein. Maintenant, c'est à mon tour. Oh, j'ai même pas fait de coups critiques. J'ai tué le tranchaudon un coup, ça va, c'est cool. Merci, Exvisage, d'exister. J'avoue, seulement maintenant finalement. Genre mais maintenant. Oui, c'est presque étonnant finalement. Eh mais oui, mais toi aussi en fait. Parce que bah en fin de compte, il était un petit plante en fait. Donc pourquoi que maintenant. Ah. Fourmi, tu vas. Non mais non, Fourmi, j'allais dire. Oh, wow, Kirika t'a tenu. J'allais dire, est-ce que Fourmi tu wow vas mourir. Mais non, Fourmi ne meurt pas et Kirika non plus. Je suis choquée. Normal, Kirika est trop forte, c'est le meilleur. Non, je me suis trompé d'attaque. Bon bah il m'a achevé pour que personne voit ma bêtise. J'espère que tu as fait la mistake. Je dirais pas. Mais non, mais pourquoi j'envoie Stélise? Bah tu l'as pas encore envoyé. Non, non, aujourd'hui tu ne l'as pas encore envoyé, je comprends, ça te manquait. Mais non, mais j'avais d'autres Pokémon. Bon, c'est pas grave. Vas-y, j'ai la flemme. T'inquiète, tu vas mourir quand même. Mais je sais, c'est pour ça que j'ai la flemme. Je vois pas ce qu'il te reste. Gigalith. Et c'était pas encore terminé, mes Pokémon sont avec moi. Oh, c'est beau quand même de finir sur Majaspic, ça a quelque chose de très... Ça a une aura royale finalement. Ouais, c'est vrai. Oh, tu l'as pas battu en un coup. Il a une ceinture force. Ah oui, oh, il a une ceinture trop rigolo force. Il a fait Dracoque. Moi, il a fait Piège de Roc. Ouais, comme moi, quoi. Vas-y, c'est trop méchant, tu voulais juste faire mal à Aranea, vous. Deux fois en leur puissance, alors je n'ai pas besoin de paniquer. Oui, bah oui, j'imagine bien, ouais. Vas-y, est-ce que pour troller, je fais ça? Vas-y, pour troller, je fais ça. Kuba! Mais non! Je savais même pas que t'avais Kuba! Tu sais que Tchéren, il m'a fait la technique du vieux attaque quand il me reste peu de vie. Ouais, j'ai fait la même moi aussi. J'ai fait la technique du Kuba quand il reste peu de vie aux ennemis. Oui, mais Kuba encore ok, mais vive attaque, quoi. En affrontant de nombreux dresseurs et leurs Pokémon, il devient possible de savoir ce que l'on est et de tracer sa propre voie, une voie personnelle unique. Nous avons la chance d'avoir les Pokémon à nos côtés, ne l'oublions jamais. Bien joué, Tchéren. Ah oui, il dit la même chose, du coup. Et nous voilà à Vagelone, avec une petite musique qui inspire la nostalgie. Et qui dit partie finale, dit boss final. Bah, c'est vrai, alors c'est parti, rentrons dans cette porte.
entendre un thème de méchant. Oh! Oui, quelle ressemblance! Tu as le même regard que ce dresseur. Je ne pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi dans ce pays lointain. Quel est ton nom? Ah, je m'en souviendrai. Sois sans crainte. Je me nomme Cynthia. Je suis dresseur comme toi. Et ma curiosité pour les légendes Pokémon est insatiable. Waglon est connu pour ses ruines des abysses, comme tu le sais. Voilà pourquoi je loge dans la résidence d'une amie pour venir livrer mon enquête. Comme tu le sais, il est de coutume que deux dresseurs qui se rencontrent pour la première fois se livrent un duel. Pokémon pour faire connaissance. Voudras-tu bien me dévoiler ton cœur et être mon adversaire? Mon cœur bondit dans ma poitrine avant même le duel. Avant même le début du duel. Je peux sentir l'excitation de mes Pokémon dans leur Pokéball. Eh ben dis donc, elle est bien contente de se battre en fait. Voyons de quoi tu es capable. Ah, donc Cynthia est shonen en fait. Ah bah là, même elle a dit que ses petits Pokémon ils tremblaient là. Ouais, c'est Pokémon de tricheur. C'est vrai. Moi je n'aime pas Spiritomb. Il n'a pas de faiblesse ce Pokémon. Et tenter de l'empoisonner. Ah oui, d'accord. Pokémon de tricheur. On est donc sur ça, donc très bien. Oh, il m'a fait feu follet, mais je l'ai évité. Moi, il ne m'a pas fait feu follet. Il m'a fait reflet. Moi aussi, je fais des tactiques de tricheur, là. Moi, ça va être long. Hein. Ça va être extrêmement long comme combat. Oh non, il fait des reflets. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. T'as pas des aéropiqués? Bah non. Allez, empoisonne 2, Vélovenser. Oh là là, mais c'est... Mais on fait pas ça, Cynthia. Il en a 4, il en a fait 4. Mais non. Il ne fait que ça. Ah, vas-y, il fait Kuva maintenant. Allez, vas-y, Vélovenser, faut l'empoisonner. Non, mais je vais pas me bander. Ah non, non, c'est pas le coup critique, d'accord. Bon, ça va être un haut duel, là. Ah, ça y est, il fait les reflets, moi. Enfin. Bon, maintenant que tu t'es bien placé dessus... Bon, ça va, t'as réussi à l'empoisonner. Il s'est empoisonné tout seul. Hein. Allez, moi, je respecte pas Cynthia. Oh non, il... Ah non, c'est toi. J'ai eu peur pendant un instant. Tu l'as tué, Venomancer, bravo. Oh non, elle a fait comme moi. Bon, bah, c'est reparti pour un tour. Elle t'a bien eu. C'est clair. En fait, tu vois, elle t'avait laissé l'espoir là où moi, là, elle a commencé direct à bourriner parce que Venomancer, il en impose avec ses cornes, tu vois. Voilà, faut vraiment que je vois. Bon, bah maintenant, ça va être rigolo. Ah, mais ça va, le Vampigraine, il est toujours là, oui. Oui, le Vampigraine, c'est pas soigné. Oh, tu le touches. J'aurais bien aimé lui baisser sa défense spéciale. Le pire, c'est que tu vois, je me disais qu'au tour suivant, j'allais me soigner, effectivement, avec guérison. Mais Venomancer, il a dit, t'inquiète, moi je fais séisme et ça passe. Le séisme m'ont rigolé en plus. J'avoue, moi, il m'a pas fait feu follet. Enfin, il m'a fait feu follet qu'une fois, mais au moment où j'ai fait abri. Oui, parce que Venomancer a toujours abri. Hein. C'est pour qu'il aille avec son turbo. Oh! Une nouvelle attaque! Ah, il a Shadow Ball aussi! Imagine, elle a plein de guérisons et elle les utilise toutes sur son Spiritomb. Bah, ça serait trop stylé pour toi. Hein. Donc, j'aurais bien aimé, effectivement. Ouais, mais bon, d'un côté, vu qu'il avait reflet. Ah, tant mieux que je l'ai battu en fait. Enfin, je vais pas dire, ouais, j'aurais préféré qu'il utilise son machin sur ça, mais. Ah, en tant que ta défense spéciale est diminuée, en plus, tu vas avoir mal. C'est vrai, hein, ça fait... Oh, ça... oh, deux fois, il a pu. Bon, ça va être le moment de savoir. Est-ce qu'elle a plusieurs potions ou pas? On va voir. Non, elle n'a qu'une seule potion. Par contre, je vais mourir, moi, là, non? Ouais, il y a des chances. Hein. J'ai tenu. Non. Non, parce que là, j'ai clairement pas eu de chance. Ah, dommage, le combat est parti si bien. J'étais confiante et tout. Milobellus! Oh bon bah. Milobellus! Ah, moi c'est Guerriaigle. D'accord. Ah, elle a un Guerriaigle! Trop bien! Enfin, du coup, j'ai peur un peu. J'avoue qu'elle est sympa, elle te l'envoie pas tout de suite. Alors qu'elle pourrait. Est-ce que j'essaye de setup Aranea? Vas-y, je vais essayer de setup Aranea.
Oh, c'est un Milobélus qui fait piétisol, trop rigolo. Moi, j'essaye de setup Estelis. J'ai pas réussi à setup par un gars. Oh mince. Bon, du coup, elle est morte, ok. Super, mais... Bon, c'est pas grave, j'aurais dû faire Fatal Food, je me disais, peut-être que... Je pensais qu'il ferait pas si mal, j'avoue. Mais un Milobélus piétisol, pourquoi piétisol? Pour les Pokémon électriques? Ouais. Oh non! Le fameux. On ne l'attendait pas. S'il vous plaît, vous pouvez éviter de faire ça devant moi. Puis elle recommence. Mais qu'est-ce que c'est que cette dresseuse? Est-ce que vous seriez une parente de Hélène par hasard? Comment vous dire que c'est ma cousine? Tiens! Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? J'avoue. En plus, il fait super mal. Ah, mais ça y est, il est plus rapide que toi, du coup. Ah oui, c'était ma stratégie, en fait. Mais de toute façon, c'est la stratégie dans ce jeu, hein. Vraiment, véritablement, l'IA de ce jeu, elle veut absolument être plus rapide que toi. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, j'espérais qu'elle rate. Bah, moi, je me disais, bon, qu'elle avait fait Draco Queue la dernière fois, est-ce qu'elle va pas le refaire? Ah, pourri. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Allez, va dormir. Milobélus, là. Et là, elle se réveille direct. Après, en vérité, j'abuse sur les papiers aux dents. J'ai pas besoin d'en faire autant, je pense. Ah, ça a plein de défenses spéciales, quand même, Milobélus. Moi, dans ma tête, les Milobélus, ça voit le miroir, alors je m'attends tellement à... Oui, bah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais là, attends, elle a quoi, là? Elle a Dracoqueuse et ses piétissoles et... Ouais, donc peut-être qu'elle l'a pas, hein. Elle a peut-être une attaque haut, du coup. Là, j'hésite à l'attaquer, en n'ayant en fait que deux. Ouais, soit t'en fais un et t'as pas de chance, elle se réveille et elle refait Dracoqueuse, quoi. Allez, vas-y, on est joueurs. De toute façon, oui, dans le pire des cas, c'est pas très grave, quoi. Ah non, elle fait plus vite. Baisse ta vitesse, parce que ça se fait pas que tu sois si rapide. Ouais, vous savez, c'est pas la vitesse qui m'intéresse le plus dans Papier aux Dents. En vérité, du coup, en ayant fait ce jeu, je me dis, non mais la méta dans Pokémon Blanc et Noir, c'est vraiment la vitesse, en fait. Genre, tu montes ta vitesse, l'IA, elle est complètement cassée. Elle se dit, d'accord, ah, j'ai hâte, je vais faire vitesse, alors. Bon, parti. Ah, ça y est. Bon, voilà, maintenant on rigole plus. Ouais, bah, il fait mal, hein. Du coup. Oh non. Oh, elle a un haut massacre. Je déteste ce moment parce que du coup, j'envoie le pire Pokémon au pire moment, quoi. Tu penses que Phyllis est le pire Pokémon sur haut massacre? Il a lance-flamme. Ah, c'est vrai. Garde-le, là. Oh là là, et en plus il spam. Ah bah ça, bon, c'était après, prévisible. Pourquoi se priver? J'avoue, t'as pas intérêt à faire des pièges de rock finalement? J'en ai pas piège de rock, je l'ai oublié pour apprendre Exuviation que je l'ai même pas essenté de faire là, je t'avoue. Bon, c'est pas grave. Bah après t'as des potions. C'est pas grave, Crabe. Ah non, tu laisses Crabe ouais, brûler. Ouais, mais tout est calculé, t'inquiète. Faut que j'envoie le boss final. Ah! J'avoue. Vas-y, toi aussi, fais la danse des papillons. Bon, moi, malheureusement, j'ai pas moyen de me soigner, tu vois, mais... Il fait éclair. Bah oui, je fais pas lance-flamme sur... Oh, le petit corps ardent, là. Oh là là, le petit corps ardent qui fait plaisir. Vas-y, je peux en faire d'autres, alors. Vas-y, c'est bon, let's go. J'en fais d'autres, j'ai pas peur de le dire. Ah oui, moi j'ai pas vu ce qu'elle va m'envoyer. Ah, c'est très important de regarder ce qu'elle va t'envoyer. C'est pas... Là, tu l'as déjà battu Oui, j'ai battu... Le guerri à Glauquen. Oui. Oh, il fait quand même l'éclair fou. Ah oui, peut-être que je peux faire un coup critique.
C'est inédit, elle m'a tout raconté. On t'a dit c'est une guérison. Moi aussi je l'ai pas. Ah mais elle va le refaire en fait, la guérison. Elle l'a déjà fait dans ton jeu? Non, elle l'a pas fait. Mais du coup elle va le faire sur lui, moi ça m'arrange. Du coup je préfère qu'elle le fasse sur lui comme ça. Ah bah déjà en fait. D'accord. Bon bah je vais peut-être le tuer. En plus, Grian, c'est le Pokémon le plus fort de tous les temps, alors ça va bien se passer, t'inquiète. C'est même pas ton Pokémon c'est le plus fort. C'est même pas mon Pokémon le plus fort, Grian. Incroyable, ça. Ah, mais du coup, le bourdon, il a pas bourdonné. On n'est jamais trop prudent. Tiens, oui. C'est marrant d'ailleurs qu'il fasse éclair fou, malgré tout. Et le, machin, il est... le machin il est brûlé, il fait plus de dégâts. C'est pas grave, je continue de faire. Ah, mais non, t'as monté ta défense spéciale donc du coup, lance-flamme sert à rien non plus. Ah, oui, c'est vrai. Bon, alors c'est bon, là tu vas voir le Karchakrok, c'est obligé. Non, mais là c'est clair. Ah, voilà, ah, c'est bah, bon, voilà. Le boss final il est là. Ah, moi j'ai le droit à un haut massacre avant. Eh, j'avoue. C'est quoi que j'ai pas affronté? Ah, oui, c'est. J'avoue, elle m'avoue pas mis l'Obélus. Alors qu'elle pourrait là, franchement. Alors Karchakrok qui va tanker ça comme un chef, regardez. C'est incroyable. Non, ah, c'est non. Bon, c'est bon. Ah non, c'est bon. C'est pas... C'est... De toute façon, Karchakrok, c'est Karchakrok ceinture force. Là, ça fait peur. Mais si c'est Karchakrok sans ceinture oui, force... Oui, mais attends, mais on rappelle quand même que c'est... Purée, elle est niveau 77 à Estelle. Lucario bah oui, bah c'est ça l'avantage d'avoir un Pokémon échangé. Tu verras, si tu entraînes Milky, ça va être génial. Ouais, j'en doute pas. Non mais vous pouvez rien contre Estelise. Vous pouvez rien contre... Ah si finalement... Ah ah, finalement. Ah ça c'est moins drôle. Mais c'est pas grave. Alors qui... Oh elle a fait un coup critique en plus. Ah mais t'as déjà battu le boss du coup en fait. Tu t'en fiches. Ah non, c'est bon ok. J'ai eu peur moi. Oh, mince j'ai dit ne pas changer de Pokémon mais en fait si ça se trouve je suis encore dans la danse fleur. Bah c'est pas grave si t'es dans la danse fleur. De toute façon tu veux faire quoi d'autre? Mais non mais ça va lancer le combat. Non c'est bon ça l'a pas lancé. C'était pour t'attendre. Ah, combattre ensemble son dernier Pokémon Lucario. Ah ouais. Karchakrok. Ah ouais. C'est dommage que la plupart de mes Pokémon sont morts en fait. J'aurais bien voulu faire un coup. Vas-y, je fais pour ma fourmi. Lucario, on va voir qui est le meilleur Pokémon. J'espère que tu feras tunnel. C'est même plus, si tu l'as c'est plus. C'est plus tunnel, mais. Je sais même plus quand on remonte la dernière fois, je me suis retrouvé en position délicate. En 2021, je crois. Tu penses? Je sais plus, 2021, 2022, je sais plus quand est-ce qu'il date. Il est sorti fin 2021. Ah! T'es spécial du coup. J'ai gagné. Ah, bien joué. Moi par contre, du coup, je pensais pas qu'il était spécial, moi je me suis. Ah, je fais les deux! C'est bon! On va bien jouer, voilà, j'ai rien à dire, moi je pensais que. Eh, mais moi je les joue comme ça les Lucario, je les joue mixettes parce que bah c'est. Ouais, c'est non, plus mais bien rigolo. Sûr! Oh, bah oui, mais bien sûr, bien sûr! Moi sur le coup je me suis dit, bien, vas-y, il va faire des attaques, mais. Oh, je me rappelle mon premier Lucario que j'ai fait en 4G, je savais pas que. Enfin, j'avais encore un peu du mal avec le principe des mauve eggs, enfin des attaques apprises par œuf. Ouais. Du coup, j'ai mon petit. Je fais mon œuf de Riolu. Ah bah c'est bon, j'ai gagné. Mais sans mauve egg! Et là, je le monte en Lucario et tout, et après, je suis en mode vas-y, je vais lui apprendre. Non, c'était une attaque œuf. Tout raté. Ah, oh ouais, bon, t'as bah, vu qu'à recommencer. Je vais faire un autre Riolu, alors c'est pas grave. Ah, merci Cynthia. Tu es vraiment un dresseur exceptionnel. Tu as papillodance. Je suis impressionnée, quel combat d'exception. Cela ne fait que renforcer ta ressemblance à ce dresseur lors de son face-à-face avec Giratina. Mais je m'égare. Je viens ici avec les beaux jours, au printemps et en été. J'ai tellement de choses à explorer à Sinnoh le reste de l'année. Je serais enchantée si tu venais me rendre visite à nouveau, brillant dresseur. Tu dis la même chose? Ah oui, elle nous dit. Et donc effectivement, en fait, Cynthia vient au printemps et l'été. Les autres saisons, la maison est fermée. Elle préfère aller dans le froid, visiblement. Mais en été, elle ne se bat pas, en revanche. Elle prend du bon temps. Elle prend du bon temps. Elle est envoyée de bain, elle est à la plage. Et globalement, toutes les dresseuses importantes de Unis viennent la voir. Donc Inezia, ah oui. Carolina, ah, Persila. Dans la maison? Oui. Ah ok. Bah je crois que c'est la maison de Persila ici en fait. Oh. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a à la télé aujourd'hui? Dessin animé d'amis jeunes dresseurs. Mais c'est génial, je passe au dessin animé. Moi aussi j'évolue.
qu'elle disait. Et un an plus tard, elle avait fait évoluer 9 Pokémon. Bonjour et bienvenue dans C'est quoi ça ? L'émission où on discute des jolis objets. Aujourd'hui, on va parler de l'Evolurock. Nanar, le Miradar, est avec nous. Alors, Nanar, tu connais l'Evolurock ? Tu peux plus l'utiliser maintenant ? J'ai peut-être acquis ces trucs là. Incroyable, il connaît ! Bon, je vais vous expliquer. Il faut utiliser l'Evolurock, c'est un Pokémon qui n'a pas encore évolué, pour faire augmenter sa défense et sa défense spéciale. C'est génial, non ? C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt ! C'est déjà fini, t'es pas gêné, toi, dis donc, hein ? Voilà, c'était les mots de la fin. J'espère que vous avez apprécié ce let's play. Voilà. Effectivement, n'hésitez pas à dire... Votre Pokémon préféré de Cynthia, vos souvenirs avec Cynthia. Cynthia, mais ouais, le Pokémon préféré de Cynthia. Moi, j'adore son Milobelus. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, à chaque fois que je tombe sur un dresseur avec Milobelus, je suis enchantée, donc Cynthia, voilà. Meilleure dresseuse de Unis. J'aime trop Milobelus. Et pourquoi il est pas dans Légende Arceus, bon sang? Ah, j'avoue que ça... Oui, en plus, c'est le Pokémon de Cynthia, donc ouais, non, ça a pas de sens, en fait, finalement. Mais Cynthia n'est pas dans Légende Arceus, donc vrai, automatiquement, pourquoi il y aurait Milobelus si elle n'est pas là? Bref, voilà, c'était Pokémon Noir et Blanc, c'était sympa de reparcourir Unis, mais du coup ça m'a donné envie de jouer à Blanc de Noir. Okay. Donc on verra ce que ça donne. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play et à bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde.